j'ai lancé une souscription pour un nouveau livre qui va s'appeler Cosmos. Donc souscription sur la plateforme Ulule, qui a pour but de financer en partie les coûts d'impression. C'est donc un livre de photographie, nature, plutôt de paysage, et qui essaye de montrer les choses un peu sous la surface de ce qu'on voit quand on ne fait que passer. Parce que là, l'idée, c'est de rester un peu plus longtemps. En fait, les photos ont été faites d'abord au cours de randonnée au long cours, au moins avec une nuit de bivouac et souvent plus, parce que je trouvais qu'on voit d'autres choses qu'un décor, parfois carte postale, et que l'immersion, comme on dit, longtemps dans la nature, permet de voir autre chose. Et à force de parler d'immersion, ben, je suis allé carrément dans l'eau. Après, c'est pas une autre partie, parce que les photos vont alterner, mais je me suis immergé dans le Calavon, par exemple, pour aller faire des photos sous l'eau, parce qu'il y a aussi une lumière particulière, des ambiances qui correspondaient à celles que je pouvais avoir à la surface et qui me plaisaient. Et le titre Cosmos vient de là, en fait, cet ailleurs dont ça me tient à cœur qu'il soit juste à côté de chez nous, en fait. Et par les temps qui courent, d'autant plus, puisque on peut s'émerveiller devant chez nous si on prend le temps, si on ouvre bien les mirettes, il y a beaucoup de choses à voir. Il y aura 88 pages dans le livre. Une cinquantaine de photos, la maquette est quasiment faite, mais je me laisse un peu la liberté sur la fin. Je sollicite d'ailleurs les souscripteurs des fois pour avoir des idées, pas des idées, mais leur demander leur avis du coup, puisque l'idée du financement participatif, c'est de faire participer les gens. Donc je sais que ça sera un papier épais pour que les photos soient belles, 170 grammes, une couverture toilée avec marquage. Je veux que ça soit un bel ouvrage, un format A4, un paysage, pour que les photos soient grandes et qu'on puisse bien les voir. Les photos sont faites en grande partie dans le Luberon, puisque c'est là que je vis, que j'ai l'opportunité de partir randonner facilement et souvent. Il y a aussi des photos faites sur le Ventoux, un territoire que je fréquente pas mal aussi. La grande majorité des photos sont faites en région PACA, et après il y a quelques escapades d'endroits où je suis passé et resté un peu, au Pays Basque, dans le Massif Central, des choses comme ça. Le livre du coup sera créé grâce à ce financement participatif sur la plateforme Ulule, Livre Cosmos. Et donc là, on est près des 40% déjà. Il reste encore un bon petit moment de souscription, mais c'est le moment pour le faire parce qu'il faut que ça monte constamment. Et donc c'est ce qui va permettre au livre de voir le jour. Je suis assez confiant parce que j'ai très envie de le faire, donc je pense que ça va marcher.